Action! Salam alaikum et bonjour à tous les gloubistes partout dans le monde. On revient avec Julien. J'arrive tout le temps à ne pas... Dans notre famille? C'est Cagliarini. Cagliarini. Ouais, désolé. On t'en fait pas. Dans notre James Sheet, non, vraiment. Donc, aujourd'hui, les gens qui ont un problème avec le haut des pecs. Notre ami ici, il a une super combo à vous montrer pour avoir un haut des pecs vraiment rempli. Et tu as deux exercices. Deux exercices enchaînés, alors qui vont être développés, haltères, inclinés, en squeezant bien justement le contraction. Haut, la contraction maximale. Ici, et l'étirement aussi, qui est très important. Et on va enchaîner. Ne leur dis pas. Pas encore. Pas encore. Parce que ça, c'est un super exercice. Donc, on va commencer avec le premier exercice. Il s'est déjà échauffé. Garde la caméra sur lui, sur son joli corps. Et moi, je reviens. Donc, on va prendre des haltères lourds pour frimer un petit peu. Allez. Et on fait le reste. Vas-y. Donc, avant de commencer l'exercice, Julien, tu fais combien de séries? Par exemple, ça c'est ta dernière série. Tu fais 3 séries de chaque ou 4 séries ou tu finis ton exercice avec cette combo? Ah non, en général je fais 4 séries. 4 séries c'est pas mal. Okay. Plus une série d'échauffement au début léger, un peu plus léger. Donc ouais, 4 séries. 4 séries. 4 séries c'est bien. Donc je te laisse faire ton truc, tu vas leur expliquer comment que c'est, tu peux leur parler directement. Allez, ça et moi je vais me taire. Donc là, si je prends les 85, c'est que je suis déjà échauffé. Hein. Je vais pas commencer direct par là, okay. Faire mal. Donc, hop là. Et tu fais combien de répétitions là? Alors là, je vais faire une dizaine de répétitions, hein, entre 10 et 12. Okay. Mais toujours, tu vois, pas trop vite. Et bien étiré à chaque fois. Et bien sûr, l'angle du banc, il est à 30 degrés. Pour vraiment isoler le haut des pecs. Parfait, tout doucement. Regardez sa forme, il se focalise sur la contraction. Lorsqu'il descend les haltères, tout doucement. Et c'est un poids qu'il peut contrôler. C'est pas... Vous pouvez jamais prendre un poids que vous pouvez pas contrôler. Super cool. Et de là, il va faire le prochain exercice en utilisant le banc, c'est-à-dire, vas-y. Pour continuer à squeezer et à focaliser vraiment sur l'intérieur des pecs, je vais prendre le bout du banc comme ça ici, tu vois. Ok. Et là, je vais contracter au maximum. Contracter comme si je voulais écraser mes deux pecs, tu vois, l'un sur l'autre. Et tu fais combien de répétitions? Oh là, tu peux en faire jusqu'à ce que... J'en peux plus. T'en peux plus. Ok, cool. Mais, par contre, ça sert à rien d'en faire 100, tu vois. Le but, c'est vraiment de le sentir au maximum sur chaque répétition. C'est-à-dire la contraction, l'intensité. Tu fais comme si tu voulais serrer le banc et l'éclater. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, tu serres le banc au maximum. Et ça se voit. On fait ça à la caméra. Regardez comment il le fait. Le banc, on le serre au maximum. Là. Super astuce de notre ami gloubiste Julien. Je vais pas dire ton nom de famille. Cagliarini. Cagliarini. Hey, merci pour laissez-nous un commentaire au-dessous de la vidéo. Dites-nous ce que vous pensez. Ce que vous pensez de notre nouvelle star ici, Adjem Cordezet. Nelgel. Salam alaikum. Nelgel. Hey, tu l'as bien dit, ouais. Ça c'est la vie normale. Dans notre exemple, dépendre sur des coachs qui vont vous mentir sans savoir, dépendre sur des protéines, dépendre sur des programmes à la con qui sont pas logiques. C'est pour ça que l'éducation c'est très important. Un coach qui va vous aider, c'est un coach qui est prêt à partager avec vous ce qu'il a, c'est pas le secret. Secret.
n'y a pas de secret. Il n'y a pas. Si on cherche, on trouve.